tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui l'assemblée de la montagne 241 P16 de chez Altaïa, deux fascicules, le 37 et le 38. Pourquoi ces deux? Parce que c'est que les passages de roues qu'on va mettre, qu'on va installer, et puis une petite pièce, je crois c'est le décompresseur. Je sais pas quoi, bon, enfin, bref, on va regarder ça de suite dans les fascicules. Donc toujours pareil, alors pour le 37, le Dakar Niger. Alors, voilà, Dakar Niger toujours, les chemins de fer toujours dans le monde. Monde, la vie des bâtisseurs d'Empire, voilà. Et là on arrive sur les pièces, donc évidemment on a oui c'est des couvre-roues, c'est pas des passages de roues, bon c'est des couvre-roues. Voilà, on a les couvre-roues de droite et gauche de des deux premiers essieux. Dans le 37, on a de la vis EM. Voilà, donc le pas à pas. Voilà. Pas à pas. Et là, le résultat final. Voilà. Donc, on va regarder dans le 38, mais c'est un petit peu la même chose. Les chemins de fer danois. Voilà, au Danemark, 1847, ligne de Manchester-Liverpool était exploitée depuis 17 ans et 2000 km étaient établis en Europe lorsque le premier chemin de fer danois est ouvert au trafic. Voilà, de belles petites locaux. Freinage et adhérence. Je pense que l'adhérence, je crois qu'il y avait des boîtes à sable. Et il y avait un petit jet de sable qui se faisait sur la voie. Il me semble. Mais je sais pas si c'est arrivé dans ces années-là ou plus tard peut-être, je sais pas. Je sais à lire. Voilà, et bien là est troisième et quatrième essieu et les couvre-roues aussi. Et la cuve de décantation. Voilà, il y a une cuve de décantation de la vis EM et de la vis FM. Donc le pas à pas est pareil, ça va être quand même assez rapide. Voilà, et le résultat final. Donc de suite, eh bien, on va passer au montage. Donc pour le montage 37 et 38, hein, on récupère le châssis et on va positionner tous nos passages de roues avec évidemment voilà, les passages de roues sont comme ça, donc il y en a un qui est différent, voilà, avec un petit retour là. Et le différent, eh bien, il vient sur le deuxième essieu. Celui-là vient sur le premier essieu. Et puis, eh bien, on fait pareil sur l'autre côté. On peut les mettre en position. Voilà. Voilà. Et
Et on maintient ça, tout ça, là, on le maintient avec de la vis EM. Voilà, et bien voilà ce que ça peut nous donner pour le 37. On va passer de suite au montage du 38, mais qui va être un petit peu similaire, hein, mis à part qu'il va y avoir la petite le petit boîte la petite cuve de décantation, voilà. Chercher le mot. Voilà, donc de suite on passe au 38. Pour le 38, pareil, mis à part que voilà, celles qui sont sur l'arrière ont une petite incurvaison là, mais sinon c'est pareil, c'est la même chose. Et on met les trucs en place. Voilà. On les cache au bout. Voilà. Et puis pareil, on maintient ça avec de la vis EM. Voilà, ça c'était pour les cacherons. Et vient plus qu'à mettre le cette voilà le petit potier là de décantation. Voilà, et là on le maintient avec de la vis FM. FM, alors on va prendre un peu petit tour de vis puisque de vis FM. Il n'y a pas de sens particulier pour là. Et on maintient ça avec deux vis FM. Voilà. Mais c'est tout pour ces deux numéros. On a mis tous les cacherons, ce qui est bien. Et ce petit boîtier qui est. Je ne me rappelle jamais le nom. C'est beau. Ouais. 38E qui est la cuve de décantation. Voilà. La cuve de décantation. Je vais y arriver. On va y arriver. Voilà. Et bien voilà. C'est tout pour ce montage. 37-38 de la montagne. Voilà. Pensez à vous abonner. C'est gratuit. Si ça vous plaît, puisque je vois que dans les vidéos il y a beaucoup plus de visionnage que d'abonnement, donc du coup c'est important quand même de s'abonner pour voilà, ça nous aide, et puis au moins ça nous encourage à continuer. Continuer les aventures comme ça. Bon, après, je comprends bien qu'il y en a qui ne veulent pas faire voir que c'est quoi, qui c'est qui s'abonne, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, si vous pouvez vous abonner, c'est entièrement gratuit. Et bien voilà, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Et en attendant, portez-vous bien, et puis allez. Salut.